Donc nous voilà sur le petit rucher de nuques à peupler. Là, il y a une trentaine de nuques. Là. Et on a récupéré donc nos abeilles. Donc on va vous faire voir comment on va remplir les petits nuques. Donc nous on est sur des 4 cadres, 1, 2, 3, 4, on enlève 2 cadres au milieu. On a une reine vierge qui est prête parce qu'on introduit directement. Hein? Donc on va vous faire voir comment on fait. Voilà. On a donc mouillé nos abeilles. Voilà. Donc hop, on va descendre tout le monde. Celle qui veut, voilà. Et là on se retrouve. Bon. Là on prend une gamelle. Donc on met un peu au milieu. Voilà. Et moi je mets 2 gamelles. Voilà. Donc on se retrouve ici avec des abeilles mouillées. Donc on va les laisser monter. Et là j'ai ma petite reine vierge qu'on a mouillée également. Là elle est toute mouillée. On va la mettre avec. Voilà. Ça y est. Donc je ne sais pas si on la voit, elle est là. Elle est là. Et par le léchage, elle va s'accepter tranquillement. Par la suite. Un cadre tout doucement pour pas les écraser. Voilà. Un deuxième cadre. Bon, après, je peux mettre celui-là là. Hop, comme ça. Et comme ça. On va remettre là le nourrisseur. Donc, on a un nourrisseur avec un trou ici. On a mis un petit nourrisseur avec donc de la paille, du foin pour pas qu'elle se noie. Ça c'est très important pour pas qu'elle se noie. Et on va utiliser donc, voilà, et on va mettre le sirop. Allez. Hop. Voilà, donc on met un peu de sirop ici. Si on veut qu'elle monte plus vite dans le sirop, excusez-moi, il était très chaud. On prend un peu de sirop et on met dans le trou. Pas beaucoup parce qu'elles sont mouillées, mais juste un petit peu. Voilà, donc on referme. Toc. Ensuite, on a notre petit couvre-cadre. Comme ça. Et voilà. Donc là, le nuque, il est prêt. Et on voit même qu'elle commence à sortir ici. Donc le temps qu'on fasse, il n'y a même pas 2 minutes, elles commencent à faire leur repérage de l'entrée de ruche. Donc on a mis notre paquet d'abeilles, on a mis notre reine, on a mis à manger, on a des cadres bâtis. Là il fait beau, les fleurs fleurissent, donc ils n'ont plus qu'à ramener donc, du pollen et du nectar, et la reine qu'elle aille se faire féconder. Donc on va continuer comme ça ainsi de suite, et c'est comme ça que nous on a introduit qu'on fait nos mini-puces. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.